le rallye se présente un peu comme le temps, je dirais, bizarre. La glisse me déplaît pas, mais bon, c'est le tout d'avoir les bons pneus au bon moment. Le reste, on est venu au Touquet d'abord pour le plaisir, parce que le résultat au Ferrodon, on l'a fait, je pense, aux Charbonnières. Donc on est venu vraiment pour le plaisir, on va essayer d'en donner à tout le monde et puis surtout d'en prendre. Ça se présente pas trop mal. Je pense qu'on a aujourd'hui une voiture qui devrait aller dans ces conditions un petit peu difficiles. Le rallye du Touquet est un rallye bien spécifique, avec des conditions toujours très difficiles. Mais c'est un rallye que j'aime beaucoup et où je me fais toujours plaisir sur ces routes. Donc j'espère qu'enfin on pourra le gagner cette année. Eh ben, le rallye se présente plutôt bien, puisque le temps a quand même un petit peu séché. Donc pour nous, les deux roues motrices, c'est quand même une bonne chose. Maintenant, je crois qu'il va falloir rester serein. Ce soir, c'est un prologue, donc on va pas partir le couteau entre les dents. On a une grosse journée demain et après-demain. Donc là, la course commencera véritablement ce week-end. Mais bon, sinon, on a la forme, l'auto va bien, Xavier aussi, donc tout roule. Oui, bonjour, Jean-François. Alors Jean-François, comment se présente ce rallye et cette saison 2000? Ça se présente bien pour l'instant, on est au Touquet, il fait pas très beau mais c'est normal, on est au Touquet. On va voir, on va essayer de rouler cette nuit. On a un prologue qui est dur donc il faut essayer de rester sur la route et puis on verra après. J'irai plutôt bien, on a démarré, mais on n'a pas eu de choix de pneus très judicieux. Je dirais qu'on s'est même un petit peu trompé, mais ça nous a donné l'occasion de faire des essais et de comprendre. Bon, je dirais que le bilan n'est pas négatif parce qu'on a progressé sur l'ensemble des 4 spéciales pour finir pas trop mal. Bon, c'est évidemment l'objectif de tout le week-end, de progresser et de se situer par rapport aux autres. On est dans le peloton de tête. En bagarre avec Pascal et puis avec Serge Jordan. Bon, on a fait quelques bêtises, c'est pour ça qu'on a été un peu décroché. Je crois qu'on doit être à une quinzaine de secondes de Serge à peu près, par ma faute puisque j'ai fait un tête à queue et un tout droit. Donc bon, on peut mieux faire.
j'ai bien débuté la journée ce matin, j'ai fait un très bon temps et dans Parenti j'ai fait plein de bêtises et en plus j'ai coupé ma pompe à essence en voulant régler mes ponts, mais globalement c'est plutôt une bonne demi-journée. La voiture elle est formidable. Bah, le spectacle, je sais pas, mais vu de dedans, c'est déjà pas mal à l'entendre, ça doit être quelque chose. Mais j'avoue que bon, on a du mal à la tenir sur la route. Hein. Il nous faut bien toute la route et des fois elle est même trop étroite. Trop étroite. Sinon, pour résumer cette première étape, étonné par notre résultat parce qu'on arrive à faire jeu égal avec les Méganes sur quelques spéciales, je m'étonne moi-même. Trop plus, moi, là. Ah. Alors Jean-François, comment s'est passée cette étape? Ça va, ça va. On a roulé. Les deux premières étaient vraiment glissantes. On a essayé d'attaquer pour essayer de creuser un peu. Et ça s'est bien passé pour l'instant, pas de problème. Je crois que tu aurais préféré si c'était un peu plus mouillé. Oui, mais bon, c'est... le terrain est pareil pour tout le monde, donc on prendra ce qui viendra. Déjà hier on était bien parti, on pensait qu'on avait trop assuré, mais les temps, vu les temps on n'était pas trop mal. Et ici ce matin on est reparti je dirais avec un choix de pneus pas trop risqué, donc on est parti en mixte. On s'est rendu compte dans la deuxième spéciale que le compromis n'était pas trop mal, mais ça a été mieux en slick. Et donc après on a chaussé les slicks pour les deux spéciales suivantes. Et ici les temps ils sont pas mal, on est dans les temps d'Eric Rousset et on essaye de rester devant la meute de Saxo Kitcar. Thank you.
ce rallye il avait bien commencé, on a fait un très beau début de course et puis ce matin dans les parties glissantes, j'ai loupé un freinage, tapé une balle de paille qui a endommagé la voiture. À partir de là, ça a pu être la même course. Des problèmes sur problèmes, et perdu du temps et perdu des places. Une deuxième place pas inespérée, mais c'est clair qu'au départ de ce rallye, on espérait monter sur le podium, et particulièrement sur la troisième marche du podium. On savait que si les deux premiers n'avaient pas de problème, on ne pouvait pas aller les chercher. Maintenant, on a profité d'un problème de la Subaru pour effectivement monter sur la deuxième marche du podium. Mais cette deuxième marche, elle a été difficile à gagner parce que Serge Jordan et Pascal Thomas nous ont donné vraiment beaucoup de fil à retordre.